Oh, c'était quoi? Ah, c'était un corps? Ah mince, je l'ai pas vu. Ah, c'était un chien. Ah merde. Bonjour, monsieur. Allez. Mais c'est à vous le chien à droite là, mais de la route là? Non, vas-y, quand je veux. Mais il est déjà écrasé. Bon, je le vois pas donc Ah oui, ça va être ah, un plaisir d'écraser encore oui. une fois. Attendez, je réponds au téléphone. Oui, allô? Oui, vas-y, vas-y. Oui, allô, Kid? Oui. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Je peux vous rappeler? Ça c'est urgent en fait. Je vous rappelle dans 30 secondes juste. 15 secondes, s'il vous plaît. Merci. Oui, bon bah d'accord, bah c'est pas à vous en tout cas. Ah bah non. Ah bah d'accord, ok, parce que je voulais bien repasser dessus pour bien vérifier qu'il est mort. Non, non, mais non, non, moi j'ai roulé à côté. Hein. Dommage. Ouais, j'ai. Bon bah ok, ça marche. Bon bah au revoir. Oui, salut. Au revoir. Vous êtes sûr c'est pas à vous, hein? Et si c'est à moi, ça fait quoi? Eh non, mais faudrait le prendre le chien là. Moi je le vois pas ton lien, je crois. Il est là, mais c'est qu'à dire que je suis bourré aussi, hein. Entre nous. Oui. De temps en temps. Ah non, non, non. Je suis pas ça, moi. Oui, j'y vais, je filme, moi j'ai écoute fil à passer, c'est urgent là. Oui, alors, ouais. Je t'écoute fil. Ah merde. Eh ben, j'ai sorti mon téléphone, j'ai regardé mon téléphone et j'ai roulé dessus. Ah, merci Freddy. Oui, allez, de rien, ouais. Et... Dégage le chat là. Putain. Et descends du bureau, merde. Viens. Merde, on peut rien faire dessus. Mais il a disparu, merde. J'ai rien fait. Oui, la terre est. T'as un petit chien? Qu'est-ce que tu fais? Je l'évite. C'est Ah, ok, ça marche. C'est à vous le petit chien? Mais non, mais. Oui, il a qu'un. Non, j'ai mis les noms qui sont associés avec. Il a été laissé là, je crois, qui c'est. Faudrait appeler le SMS. Bah, le SMS c'est les humains, c'est pas les chiens. Bah oui, mais ils ont pas un service vétérinaire. Bah, je crois pas. Si, ils ont un service vétérinaire, attends, je sais pas, je... moi j'ai. Attends, je vais demander. Ah, j'ai pas d'animaux, moi donc je sais pas en fait. Juste pauvre chien là, qui a... c'est terrible. Ouais, du coup, c'est bon, j'ai fini, de... j'ai raccroché. Ah bah, c'est bien. J'ai pas de couteau. Qu'est-ce qu'il fait là? Ben depuis là, il est là depuis tout à l'heure et malheureusement personne s'en est occupé, ce pauvre toutou. Mais il y a qui ce chien? Un peu triste, mais on sait pas en fait. Bah, c'est pas... le vote kid. Et là, c'est pas le mien. Mais... Et j'ai mis un SMS au SMS. J'ai mis un message au SMS. Et ouais, je vais venir le chercher. Hein. J'ai pas. Du coup, j'ai. Et un call qui a été passé en radio pour savoir à qui il appartenait. Bah, tout le monde a demandé dans la journée, mais personne ne sait. Ah non, mais il est là depuis toute la journée? Oui. Mais c'est une blague. Ah, mais c'est pour ça que ça schlingue. Et personne s'en est occupé? Putain, mais. Bah. Je pensais que c'était mes pieds, mais putain, c'est pas mes pieds en fait. C'est vraiment. Oui, inspecteur Freddy Kitt, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour, c'est le docteur McCairn du LSMS. Ah oui, je voulais me rappeler. Dites-vous, on a un animal mort sur le parking du commissariat. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît? C'est une excellente question, mais je suis pas sûr qu'on s'occupe des animaux, mais qui sait? C'est juste que là, on a un petit peu d'autres occupations là tout de suite, donc ça risque d'être un petit peu compliqué d'intervenir maintenant. Ah ouais, parce que vous, il y a une hiérarchie quoi. L'humain passe avant le chien. Ouais. C'est vrai qu'en même temps, c'est le SMS. Tout de suite. Je crois pas qu'ils aient de service vétérinaire. Tout de suite, vu l'occupation qu'on a, ça risque d'être compliqué d'intervenir. Ah, d'accord. Mais faut que je regarde. Je sais que le BCMS s'occupe des animaux, mais nous, il faut voir si on les embarque, s'ils sont décédés. Et là, il est mort, hein, en tout cas. Il n'y a pas besoin de le soigner, quoi. Il y a juste à venir le chercher et puis vous voulez. Ok. Bah écoutez, je regarde et Et vous remettez un message sur le répondeur Speedy au pire. Oui, exactement.
exactement, ou bien j'ai votre numéro et puis je vous envoie un message. D'accord, merci. Je vous en prie, bonne soirée. Au revoir. Bon ben, au SMS, ils priorisent les humains plutôt que les animaux, apparemment. Bah oui, mais en même temps, c'est un peu normal quand même, non? Et qui sommes-nous pour juger la hiérarchie Non, je pense que le lieutenant voulait pas dire ça comme ça, c'est juste que c'est un hôpital qui s'occupe des humains, ça aurait été un cabinet vétérinaire, il s'occuperait un peu bah oui, de l'animal. C'est pas des vétérinaires, ouais. Ouais, mais un veto. Sommes-nous pour juger ils jugent quand même que l'humain est au-dessus de l'animal. Ouais, non, bah alors c'est un service hospitalier. Ouais, mais je vous arrête, hein. Parce qu'un vétérinaire. Un service vétérinaire, il jugerait l'animal au-dessus de l'humain. Ouais, mais un vétérinaire, non. Alors là, si un humain a besoin de soins et qu'il n'y a qu'un vétérinaire qui est disponible, je pense que le vétérinaire s'occuperait de l'humain. Oui, mais imaginez. Pas sûr que le vétérinaire soit. Oui, qu'il est réellement le droit d'intervenir. Imaginez par exemple, c'est le sergent-chef Beuclé qui est là, oui. Et il n'y a plus qu'un vétérinaire en ville, et il vous dit ah non, j'ai des animaux à soigner. Qu'est-ce que vous diriez? Imaginons cette situation. Voilà, il y a le chien, voilà. Il y a moi. Oui, voilà. Alors là, je fais ça. Admettons, je suis médecin. Allez-y. Admettons, je suis médecin. Oui. Vous voyez ma main, Beuclé? Bah non, parce que je suis inconscient. Ah, bah non, mais vous me répondez alors. Ah oui, non, mais dans le jeu de rôle, je suis inconscient. Mais là, je vois votre main, oui, tout à fait. Vous le voyez, donc vous n'êtes pas inconscient, là, vous me parlez. Attendez, je prends des notes. Parlez-moi vite, je prends des notes. Vous n'êtes pas inconscient, là? Vous voyez ma main? Non, je suis pas inconscient, je vois votre main. Combien j'ai de doigts? 10 comme tout le monde. Bon ben voilà, il va très bien, il fait de la simulation et s'occuper du chien. Vous avez triché là, inspecteur. Bon. Il faut appeler quelqu'un là quand même. Non mais il faut appeler quelqu'un. Ah bah, super. Et je sais pas, putain. Sinon, il faut prendre un couteau et. Mais bon, c'est un peu crade quoi. Non mais là vu comment ça flingue, moi je vois pas le temps. Hein. Ah bah c'est vrai que là si on ouvre. Y a pas un fossoyeur dans le coin, je ne sais quoi. Un fossoyeur. Cette profession elle a disparu depuis. Depuis le Western. Oui. Il y a plus de fossoyeur depuis le Grand Ouest. Hein. Mais vous connaîtrez quelqu'un. Je crois pas qu'il y ait de clinique vétérinaire à Los Santos. Pourtant, on vend des animaux sur San Andreas, mais il n'y a pas de clinique vétérinaire. C'est terrible quand même. Ah, mais qui m'appelle? Oui, bonsoir, monsieur le procureur. Ça va toi? Et du coup. Inspecteur Messon, on m'a embêté. Bah, il y a le chien qui est mort. Et puis, toute la journée qu'il est là. Les BCMS, ils ont un service vétérinaire. Mais oui, mais je les ai appelés Ils ont un service vétérinaire. Non, le BCMS. Ah, le BCMS. Le BCMS, oui. Ah, bon, alors attendez, j'appelle le BCMS. Je savais pas, que ça avait un service vétérinaire, le BCMS. Ah, ouais, je savais pas, ouais. Ah, bah, c'est eux qui sont spécialisés veto. Ah, ok. Bah, ouais, j'ai tué le chat Finley une fois, et puis du coup, on appelait le BCMS. T'as tué le chat Finley? Alors. C'est raccourci, hein. Mais d'accord. Vous savez, je vous explique. On était en voiture, ok? D'accord. Son chat était à l'arrière, vous savez pas. On arrive à la barrière là. Inspecteur Kidd, oui, je suis écouté. Oui, bonjour, c'est le BCMS, vous avez demandé? Ah oui, de vous rappeler, oui. Que vous me rappelez, oui. Oui, ouais, dites-vous, vous avez un service vétérinaire? Oui. On a un chat mort sur le parking du SMT. Oui, alors je vous avoue que là j'ai 10 blessures par balle, donc le chat mort, je suis désolé, mais vous pouvez l'enterrer. Hein. Ah, vous aussi, vous hiérarchisez donc le. Oh là là, c'est terrible ça. Ah oui, bah oui, je vous avoue que là je préfère les humains que les animaux, hein. Surtout s'il est déjà mort, on pourra pas faire grand chose. Hein. D'accord. Je vais essayer de sauver ceux qui sont en blessure par balle, vous voyez. Oui, c'est d'accord. Mais c'est les gangsters, hein, vous savez, qui sont utiles pour être sauvés plus rapidement qu'un chien. Oui, bon, j'en dirai pas plus, mais on est d'accord. D'accord, ok. Bon, bah, désolé de. Du dérangement, en tout cas, hein. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Oui, ça se casse à sauter aussi pour rien. Ah oui, j'ai pas le BCMS, ils ont pas le temps. Oh le chat. Oh, chaton. Vous voulez recueillir pour chez vous le temps? Tu m'en pas. Bonjour. Bonjour, c'est à qui que les barres là? Oui bah il est à moi, je le cherchais. Oui bah les chats sont interdits dans le stade du commissariat. Ah oui bah alors il est venu tout seul. Ah oui, moi je l'avais laissé à la maison, oui, c'est bon regardez. Faut attacher votre chien. Ah oui, oui. Oui. Vous voyez pareil que moi sur le chat là? Sur le chat? Le chat qui est là-bas là. Le mien théoriquement. Ah oui, qu'est-ce qu'il a? Ah bon? Bah
Bah j'ai bien l'impression, oui. Allez. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il a avec un fusil à pompe? Ah mais non, mais le fusil à pompe est par terre, non? Non. Ah, il l'a mordu. Et c'est l'heure de l'appeler, vous pouvez l'appeler. Et reprenez-le. Il est acquis, ce fusil à pompe. 14 pour servir. Et reprenez-le, bordel. On va pas laisser se travailler le chat avec un fusil à pompe, quand même. Bah, ouais, c'est compliqué, ouais. Et vous? Oui. Vous irez aider votre collègue, là. Elle a son chat, il a volé un fusil à pompe. Bah, faut coffrer le chat. Je sais pas, vous appelez l'animalerie, je sais pas qui vous voulez, mais on va faire quelque chose, hein. Tout se passe bien. 92, retour. Ouais, ça va. Ok. 10 au 4. On a eu la réunion avec les sergents chefs, ça s'est plutôt pas trop passé. Dwight. Oui. Regardez en bas du frigo là. Ouais, vous avez le nez dedans alors du coup ça va être compliqué. Hein. Ah merde. Regardez en bas du frigo. 92-71, retour en avant. Eh oui, mais je crois que Miguel il tape dedans dans les saisies pour préparer la bouffe. Miguel. Oui, Miguel. C'est qui Miguel? C'est lui Miguel. 10 au 4. Comment ça? C'est Miguel là, qui sert à la cantine. Oui, vous connaissez même pas les employés à la cantine. Et non. Et vous avez vu ce qu'il y a en dessous? Ce qu'il y a en bas? Et là c'est Marita. Ah, mais vous avez vu ce qu'il y a en bas? Oui, mais j'ai vu, mais je crois qu'il pioche dans les saisies justement. Il va falloir faire attention et peut-être le virer. Hein. Mais non, mais nous on. Attendez. Ça, on se fait livrer ça. Mais non, c'est ce qui a été déposé dans les saisies juste avant. Je suis à la cantine, il y a Miguel qui a chopé dans les saisies tout ce qu'on vient de déposer. Elle voulait déposer où? Ah, ok. Bah Miguel, il vient de choper tout ce qu'on a déposé dans les saisies pour les mettre dans son frigo. Ah oui, ok, j'avais pas compris, ouais. Ah oui, j'avais pas compris. Viens, regardez en bas du frigo, là. Et vous les avez déposés où? En bas? Oui, aux saisies. 200 tortues. Ah, mais c'est normal. Comment ça, c'est normal? Les tortues se mettent au frigo, du coup, elles se mettent pas en saisie parce que sinon ça pourrit, ça pue et du coup. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Approchez-vous de 87 en civil, pardon. Il est... Bah, normalement, les tortues sont toujours au frigo, quoi. Bonjour, capitaine. Bonjour, les tortues sont quoi? Bah, l'année dernière, les tortues elles allaient déjà au frigo. Non, les mais types, attends. Les types... Oui. Elles sont vivantes, là? Touchez-en une herte. Pas dire, je m'appelle, celle-là elle est cuite donc elle a l'air crevée, hein, je pense, hein. C'est... Oh putain, ça bouge! Ça bouge? Ah, ça bouge, elle m'a mordu le doigt, regardez, il est à moitié rouge là. Sûr? C'est de la violence, faut que je la bâche celle-là, non? Y'en a combien là qui bouge là à peu près? Bah, une bonne soixantaine, la vue de nez, hein. Bah, il faut les remettre dans la nature. On va appeler le SMS, non? C'est eux qui s'occupent des animaux, non? Ah bon? Ils sont plus vétérinaires que nous, non? Oui. Non, leur fout à l'eau. Mais il n'y a pas qu'à la foutre. Attendez, c'est des tortues, imaginez les gros titres. Ah, mais d'accord. Le capitaine du Lespidi sauve une trentaine de tortues. Ah oui. Ah oui, on va appeler oui. Weather News. Ah oui, on va ramasser des déchets sur la plage. Ah putain, s'il vous plaît. Grande opération. Relâchement de tortues. Ah oui, on va faire ça. Appelez-moi pour les bonnes idées. Hein. Ah oui. C'est bien, attendez. C'est de la bonne com' ça. J'appelle Weather News. Sinon, on peut lui mettre comme amende. Parce que ça se mange, ça. Ouais. Enfin, je crois qu'il récupère les carapaces ou un truc genre. Après, c'est du braconnage. Goûtez, Hertz, goûtez. Les mortes, hein, pas les vivantes. Oui, bah merci, merci, les loches. On sait jamais. Goûtu? Bien. Ah mais il a pas mis de sauce, c'est pour ça. Vous voulez goûter, capitaine? Non. Allez-y, goûter, Deus. Lui, il fait peut-être une réaction allergique. Hein. Ah oui, on se bat, oui, et puis bon, il a pas le même circuit digestif que celle que... hop, attendez. Ça croustille quand même, hein.
Ouais. Bon, je vous mets au courant de quelque chose. Aujourd'hui, on a arrêté un malandrin en train de pêcher des tortues. Il en a tué je ne sais pas combien. Mais on a encore des tortues vivantes chez nous. Oui. Est-ce que vous pourriez venir les chercher pour les relâcher dans l'océan? Parce que nous, on n'a pas gardé des tortues vivantes dans le frigo, vous voyez ce que je dis? Non, ça serait un peu... Oui. Attendez, parce qu'en fait, je vous cache pas, capitaine, que c'est la première fois que on nous fait cette demande. Écoutez, on va venir, d'accord? Mais attendez, elles ont disparu. Oh, ah. Qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi? Elles se sont pas échappées. Ben, ça se trouve. Oh, merde. Ah. Attendez. En fait, attention, parce que ça se reproduit, ça, à une vitesse grand V. Attendez. Merde. Et on a les 200 et quelques. Oui, pardon, capitaine. Oui, comment? Et je vous ai pas entendu, excusez-moi. Non, mais on en avait 200. Oh putain. 200? Oh putain, ils les ont envoyés au gouvernement, les cons. Il y a eu un transfert de saisie. Ah. le gouvernement va s'en occuper alors, du coup. Hein. Attendez, je vais demander. Je vous rappelle. Y a pas de soucis, capitaine. Et, au revoir. Le 252 qui s'est occupé du transfert de saisie tout à l'heure. Oui. Oui, capitaine, je suis sur le transfert. D'accord. Est-ce que vous avez vu des tortues passer dans le transfert? Ah oui, on en a. Qu'est-ce que vous en avez fait? Bah, alors je crois qu'il y a les tortues cuites, on les a balancées à la casse. Ah. Et les tortues qui étaient encore vivantes, 14 et je sais plus qui sont allés les remettre à l'eau. Ah. Et les ont libérées. D'accord. Mais celles qui étaient mortes, bah, vous vouliez manger de la tortue, capitaine? Non, bah, celles qui sont mortes, oui, mais il faut peut-être. Parce que le BCMS s'occupe de tout ce qu'animaux, eux. Bah, les vivantes, je sais que c'est 14 et je sais plus qui sont allés les foutre que... à la flotte. Mais ouais, parce que je les ai vus en début d'après, mais là j'ai appelé le BCMS et tout, et en lui parlant, je vais vérifier si elles y sont encore. Et parce que je voulais faire venir Weasel News et tout, et un gros truc, oui. Ah oui, pour montrer. Notre image et tout. Bon, du coup. Oh putain, comment je vais étouffer cette affaire, moi? Et puis, ne vous inquiétez pas, on va rattraper des mecs avec des tortues, capitaine. Dans 2 jours, vous avez 200 tortues dans le frigo. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe personnellement, s'il vous plaît, capitaine. D'accord, ok, ça marche. Okay. Non, mais il faut juste retarder, et puis on pourra faire votre grand truc avec Weasel News, mais on devrait retrouver des tortues. Oui, d'accord, ok, ça marche. Bon, bah, ok, merci beaucoup. Pas de soucis, oui, capitaine. Oui, allô. Parce que. Bon, alors, j'ai fait la lumière sur toute cette affaire. Oui. Parce que vous savez, avec l'administratif et tout, c'est compliqué, ça prend du temps, etc. Parce que moi, les tortues, je les ai vues en début d'après-midi. Oui, non, c'est très compliqué tout ça, oui. Oui, vous contactez le maire, qui retéléphone au maire et tout. Et en fait, moi, au transfert de saisie, ils ont pris les tortues, ils ont été les. Alors, les tortues cuites, parce qu'on avait des cuites, ils les ont données au gouvernement pour les broyer. Donc ça, vous nous direz si on fait comme ça d'habitude ou pas avec les tortues cuites, ou si vous préférez récupérer pour en faire je ne sais quoi. Bah écoutez, ça je vais... Oui, je vais me renseigner puisqu'on n'a jamais eu ce cas-là. Oui, s'il faut faire un cimetière de tortues ou je ne sais quoi. Oui. Et les tortues vivantes, en fait, j'ai des agents qui ont été les libérer tout seuls dans l'océan. Ah bah parfait. Bah écoutez, sinon... je pense que vous pouvez faire ça, mais sinon nous aussi on peut s'en occuper. C'est comme ça vous arrange. Ah non, mais moi c'était parce que vu que c'est vous qui vous occupez des animaux, je voulais vous faire... c'est pas méchant quand je dis ça, mais je voulais faire travailler un peu, quoi. Oui, non, mais bien sûr, c'est très gentil de votre part, mais oui, c'est que j'ai jamais eu ce cas-là, donc je réfléchissais. D'accord. Bon la prochaine fois, on vous contactera, on verra si vous êtes disponible. Si vous n'êtes pas disponible, on le fera nous-mêmes, et si vous êtes dispo, on le fera avec vous. Allez, parfait, super. Ça marche. Ok, merci, au revoir. Bon après-midi, capitaine, au revoir. Ah, des chocolats? Oui. Ah, qui c'est qui a dit ça? C'est Wendy qui a parlé de caviar? Oui. Parce que son mari m'a... Enfin, son copain? Son fiancé. Son fiancé m'a quand même volé une conserve de caviar. Oui, tenez. Ouais. C'est moi qui l'avais. Ah bon? 36 et 4, s'il vous plaît. Elle a fini où cette conserve? Je crois que j'ai donné. J'ai donné à qui? Quelqu'un du Biggies. Elle a donné au chat. Elle a donné au chat. Restez flex, kid. Je m'énerve.
Ça devait être du caviar au chat. Bah, il a le droit, pauvre chat. Non, pas pauvre chat, non. Pourquoi pas pauvre chat? Bah, ils n'ont pas dit que ça l'avait fait, hein. Eh oui. Oh, faut bien changer, hein. Il y a des chats de luxe, hein. Attends, non, je crois... En plus, je crois que j'ai donné à Jenny à mon côté. Côté urgence, faut qu'on accueille. Tu dois relire le message de l'urgence. Non, mais c'est... T'as entendu, il parle là ou pas? Non, je ne parle pas. Non, il ne sert à rien. Je crois que c'est à cause du caviar et puis ils disent que le gars lui a fait. Et vous remettez de vos tableaux de caviar à votre anniversaire. Ah oui, c'est très bien aimable. Mais c'est quand... Vous savez quand est-ce que c'est 06 mon anniversaire? Non, je sais pas, je... Non, vous allez me dire? Pour son anniversaire, offrez-lui des tableaux. Bam. Et comment on a rien fait maintenant? Ah oui, des tableaux, ouais. Bim. Bam. Boum. Dans ma demain, il murmure demain, mais... Vous voulez qu'on scotise tous les deux agents, enfin? Ah non, non, c'est pour ma boîte de caviar. C'est pour ma boîte de caviar. Comment? C'est pour ma boîte de caviar.